quand il y a un grand élevage de cerfs et de biches, comme ici à Alpen des Cafes, il y a beaucoup de travail, Noël Dijoux? Il n'y a pas tellement de travail. Je travaille toute la journée en classe. C'est juste pour passer quand on a plus de l'eau ou l'eau dans les abreuvoirs. Et quand j'ai besoin de changer de clôture, parcelle, oui, ou le barreau, donc même les parties. Donc même une savaille traverse. Quand toutes les biens clôturés, les bons. Eh bien, tous les bons, oui. Alors, ici, il y a quand même beaucoup de travail. Si les biches et les cerfs, ils donnent pas un tas, on a de sangliers, faisans, perdrix, tout ça. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ah bon, oui, oui. Ben, allons alors, venez-moi voir. Quoi, il s'est fait là tout de suite? Tu viens de manger au feu là? Là, là, oui, là, tout de suite, mis un petit peu dessous, on va y éteindre. Tu viens de manger cochon? Ben. Il faut rallumer un peu le feu. Là. On a quoi dans cette grosse marmite là? Là, on a de songe, le chou, et quand on a des petits grains de pommes de terre, de déchets, ils mettent dedans. Et il fait bouillir une marmite comme ça, on en a pris jusqu'à mardi. Mardi, c'est avec qui ça, ils mangent ça? Cochon, les sangliers. Cochon, sangliers. Oui. Mais là, quand on boule de bois, on ne fait pas semblant, et il boule le tronc. Ah, non. Non, non, c'était long de bois ici. Alors, là, on va mettre là un coup de feu, on va la bouillir jusqu'à dans le jus. Là, le gros souche là aussi, il sera brûlé ça? Ben, ah oui. Combien de temps il cuit ça? Ben là, quand il arrive 11h30, midi, il est cuit. Et là, alors là-dedans, il bouille? Là, il bouille. Ouais, il bouille, voilà. On a songe banane, tout ça là. Ben, ouais. Lève un coup, nous regarde là. Là, ils sont juste mangés sans billet. Hein. Ah oui. Ça sent bien l'odeur. Voilà, à ce temps ça, à chez les bottes. Noël, quoi il t'a fait là? Là, il s'achète de boîte de figues pour les sangliers. Mais il faut le couteau, il coupe bien. Et ça il mange cru, il fait cuire, non? Ah non, ça, il donne cru. Il donne cru, il mange? Oui. Il donne un petit peu de manger, comme après, il bouille droit, le matin. Et après, il donne les rations de boîte de figues ou de zèbre. Zèbre. Ben. Bon, là, on t'en dit à haut, là. Ah oui, attends, oui. Derrière, là, ben. À tout le peu de bananier, ça va, là? Ben. Il y en a un petit peu de cochon, il y en a encore deux, j'ai pas vu deux gros frères, mais voilà, il y en a encore deux, voilà. Il y a une mère qui est quand même mal. Oula, tout le temps on travaille à la ferme comme ça? Ben non, mais il travaillait la terre, moi. Il travaillait, il était cultivateur. Mais après, il m'a arrêté. Ben il fait que, amusement, il fait un petit couvert. Moi, il y a des chapeaux qui étaient là, moi. Ah, il fait un petit peu de travail de temps en temps? Ben, et mes plantes de géranium. Noël, vous avez 70 ans vraiment? Ben. Le râtelier a chapé, Noël. Noël, lève un petit coup de chapeau. Ah, toutes les cheveux, elle est là, et bien gaillard pour cet âge-là. Hein. Et tout le temps, elle a travaillé comme ça? Non, mais gratter des herbes, il a occupé de mon champ. Mais c'est un travail dur, ça, non? Ah oui, ça a été dur, distiller des géraniums toutes. Mais on n'y aurait plus. Maintenant, il... juste pour il n'y aurait plus, parce qu'il n'y a plus. Mon champ était détruit. Mais pour ça, il y a eu un rond. Au travail même, pour rester en santé. Allez.
Après sanglier, préparer le repas. Pour les sangliers, il faut aller voir les oiseaux. Ah oui, justement, de manger. On a quoï, là ? Un peu de manger le matin. Maïs, voyons grain. Maïs, dans la zone ? Ben. Un peu de maïs en grain le matin, oui, je suis. On a quoi, là ? Un peu de perdreau, pintade ? Pintade de faisan. On a de l'isolant aussi, là-bas ? Ah oui. La pintade, les courants, ça. Mais faisan est un petit peu moins courant. Allez, voilà, voilà, là. Ouais. On va mettre un petit peu de l'eau glotte. Tu peux rentrer ? Oui. Là, il faut remettre propre un peu ? Ben, oui. Tous les jours, il passe comme ça dans les parcs ? Non, pas tous les jours. C'est quel le mâle là-dedans ? Les deux roses. Ça fait en couleur là ? Ben, oui, oui, justement. Et ça, il reproduit bien ? Ah oui, ouais. Il pond, il couvre plusieurs œufs. Oui, il pond près d'une douzaine dans les. On a déjà trouvé dans la nature. Ben, une douzaine dans le nid qui couvre. Ah, ça, c'est bon à manger. Les chasseurs aiment ça bien. Ah oui. Mais c'est vrai qu'ils trouvent pas trop ça sur les marchés, tout ça, ils trouvent pas trop. Hein. Les plus rares. Mmh. Ouais, de temps en temps, il faut surveiller la propriété aussi. De temps en temps, on passe un peu dans le côté du pâturage pour voir si les chiens errants vont rentrer. Alors, le fusil, là, c'est pour les chiens errants ou pour les voleurs ? Ah non, pour sac mes trous. Que les... sac les pas bons dessus. Allons faire un tour alors. Allons, on va être un carré.